Coucou, on est toujours Dijon. Pardon, Dijon janvier. C'est bientôt midi, moi 25. Je vais bientôt aller chercher Kiki. Second. Je vais aller chercher Kiki, je vais vous emmener un petit coup avec moi. Et puis voilà. Je vous ai publié une petite. Petite création à faire ensemble, super simple et tout, petit café. Alors, ça a reneigé pendant que je faisais la petite créa, là. Et puis là, j'ai une petite mamie qui m'a apporté un petit truc. Un petit bout de quiche qu'elle a fait. Moi, j'adore ces quiches. Et, pardon. Comment dire? Attendez. Et du coup, j'ai vu que c'était plus vraiment la neige, c'était plus... mélangé, bizarre, du coup ça fait chier, ça va fondre. Je comptais peut-être quand même essayer d'arriver à emmener Kiki faire de la luge ou tout de même, même ce week-end, essayer de tenter le ski, au moins une session, voir ce que ça dit, si ça lui plaît, machin. Son papa lui va s'occuper du snow parce que lui fait du snow. Moi j'ai fait du ski quand j'étais plus jeune, je me suis fait une frayeur et en fait là je voyais mon père le bus tout bordel partir. Putain, il se voit même pas que je suis pas dans le bus, c'est dingue. Et du coup ça m'a laissé un stress assez intense hein. Et du coup en plus enfin moi je sais plus comment je vis je ne sais plus comment je vis, je crois que c'est en 2012, décembre 2012, je me suis fait renverser par une bagnole, ça m'a bousillé le genou. Et comment vous dire que bah, le ski, quand vous vous plantez, vous avez une jambe qui part là et l'autre qui part là-bas. Hein, c'est comme ça. Donc en fait, j'ai juste eu peur que mon genou lâche en fait. Hein, parce qu'ils m'ont fait un greffon. Ah, c'est pas viable. Si je crève à 100 ans, il y a peut-être bien des chances qu'il lâche avant. Hein. Sachant que ça a fait 10 ans. Allez, on va chercher. Ça a fait 10 ans là. En 2022. Comment dire, il y a déjà de l'arthrose dedans. Et en fait, il y en avait déjà au fait au bout de 2 ans après l'accident. Comment vous dire, ça fout les boules. Ah, le bus. Mais je sais pas s'il a ramené Kiki ou s'il va chercher les autres gars. Je vais regarder ça. Ah, je pense qu'il est encore pas parti. Ouais, c'est le petit qui est dedans. Je sais qu'il va me ramener mon kiki. J'ai pas besoin d'y aller. Ouais, c'est... Ouh, c'est pas les gouttières. Du coup, c'est mélangé. Bon voilà, en fait il part seulement, donc je reviendrai dans un petit moment. J'ai pas envie de rester sous la pluie, ça caille. Voilà, ça va me laisser le temps de faire autre chose. Ça qui serait bien. 5 minutes à tout casser, voilà. Et puis voilà. Non, vraiment c'est un temps de cacoun. Parce que j'entends, je vais me faire ma curieuse. Ah oui, non, c'est le voisin qui galère à démarrer. Qu'est-ce que c'était ? Chauffer ça, son 4x4, ça fait un moment qu'il a pas tourné, je pense. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, pas trop les faux. Ah, coucou, il est bientôt 14h, on vient de finir de manger avec Charlie, on a mangé un peu plus tard vu que c'est mercredi. Et du coup, je voulais vous montrer... deux secondes. Et du coup, je voulais vous montrer, donc il a enfilé le jogging gris que j'avais pris chez Chine, qui est tout doux à l'intérieur. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà le petit jogging qu'on avait pris chez Chine pour Charlie, tout doux à l'intérieur et tout, il est à peine un peu grand. T'es bien ou pas dedans, Charlie? Oui, très très bien, ouais. C'est doux ou pas dedans? Quoi? Il est doux à l'intérieur? Oui, très bien, ça... On
plus, tellement il est doux, je pourrais m'endormir. Ah, d'accord. T'es fatiguée? Ouais, j'ai envie de dormir avec mon chat. Eh ben, faut te poser, et puis voilà. Allez, la YouTube Compagnie, à plus tard. Bonjour la YouTube Compagnie, on est jeudi 11 janvier 2024. Charlie s'est couché tard parce qu'il nous a fait un caprice. Je lui ai acheté un jouet, il l'a pété même pas 3 heures après. Bref, c'est comme d'habitude, il n'y a rien qui change sur ma semaine. Hein. Voilà, alors je vais vous montrer parce que je lui avais pris un pantalon matelassé. C'est style un pantalon de ski. Donc je vais vous le montrer. C'est pareil, il est un peu grand. Par contre, il est super tout doux à l'intérieur. On va voir ce qu'il nous en dit. Voilà le pantalon. Alors Charlie, t'es bien dedans? Salut Charlie. Moi je suis bien dedans. Mais est-ce qu'il tient chaud? Chaud? Ah ben grave. Là j'ai deux trucs. J'ai deux pantalons, ça fait super chaud. D'accord. Et le pull aussi, tu peux te tourner un petit coup, Charlie, pour qu'on voit ce derrière. Le pull aussi, c'est tout chine, là. Donc, le pull, nickel. Hein. Voilà. Donc, voilà pour la tenue de Charlie Chine. Allez, à plus tard, la YouTube Compagnie. Coucou, la YouTube Compagnie. Il est 11h10 bientôt. Donc, je vais préparer une petite salade de fruits. Pour midi, je sais pas si Kiki en voudra, on verra. Nous, on aime bien les bananes quand elles sont comme ça, un peu encore vertes. Dès que c'est un peu tacheté, on n'est plus très très fan. Non, c'est trop bon. On coupe des petites rondelles comme ça. Hop. Je crois que j'avais encore des pommes, j'en ai plus. Donc, je vais mettre un kaki que j'avais eu dans Too Good. Moi j'ai épluché, hein. J'aime éplucher. Hop. Donc à midi, je vais pas le faire. À 11h30, dis moins 20 là, il prend le bus. Du coup là. Ça m'arrange. En fait, ça me permet de retarder un petit peu l'heure de préparation du repas. Pour midi, il nous reste les patates d'hier que j'avais fait à l'eau. Et il reste également du riz cantonais. Et si ça suffit pas, je fais une petite omelette qui fait sur le pouce là. Voilà. Hop, je prends mes mains. Là, je vais le goûter avant quand même. Hop, tac. Regardez comme c'est super joli à l'intérieur. Regardez comme c'est super bien. Regardez ça. C'est super joli. Du coup, je vais goûter un bout. Moi, je suis très trop fleur d'après. Ah, celui-là, j'aurais pu laisser traîner encore un peu, mais en fait, comme ils sont achetés et tout, j'ai peur que ça ne mûrisse pas plus en fait au final. Et que. Qu'ils pourrissent en fait. Ce serait trop dommage. C'est blindé d'antioxydants, vitamine E, je crois que c'est vitamine A aussi qu'il y a beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup de vitamine E, antioxydants, vitamine A. Je crois que c'est la B qu'il y a également. Je sais pas si c'est bien. J'ai pas l'habitude d'en manger, du coup, ça va tâcher. Je sais pas si je peux ou pas. En plus, c'est des fruits qui ont un petit coup quand même. Ça sent bon, mais très pas cher, mais souvent ils sont pas bons. Hein. Donc, voilà, pas se mentir non plus.
Si elle va y voir, elle va y demander. Ou tu vas en manger. Vous voyez, c'est bien plus sucré. Hop, je vais aussi mettre la crème. Je sais pas pourquoi la peau elle fait comme ça sur ça. Je sais plus où je les ai achetés, mais ils sont chelous. Mon titi, il mange bien, mais. Je sais pas. Je sais qu'il y a moins qu'il flotte ou on sait rien. C'est de faire une race sans. Sans peau. Sans. Pardon, sans écorce. Ils sont tellement ravagés de me faire bouffer un peu. Je coupe en deux comme ça. Bim, quand j'ai des petits fils que je peux enlever, ben je les enlève. Parce que c'est quand même pas le meilleur. Des fois ça gâche un peu. Des fois les clémentines elles sont pas bonnes à cause de ça. Si tu en as trop. Et là, oui, les poux comme ça. C'est exactement le problème. Voyez ? Un peu, ouais. Hop. Là, c'est quand même gros, ça. Je ne peux pas dans la salade de frites. Hop. J'ai des pois manches tout aussi à faire. C'est bien lui faire chauffer à midi pendant qu'on mangera. Et puis comme ça, c'est pas perdu. Puis après, je sais pas, je ferai un rôti, je sais pas quoi avec. Je ferai une de patates parce que du coup, ces patates, j'en ai mis un filet, mais c'est bien gentil. Hein. Mais en fait, j'en avais pris, il y avait une promo à Inter. À Inter, un coup. Du coup forcément il y avait deux sacs de 1 kg je sais plus combien pour 3 balles. Au lieu de un sac à 3 balles. J'ai pris les deux sacs sauf qu'en fait on n'avait pas encore bouffé de patates là. Et que j'en ai eu un filet, carrément un filet dans mon bout de tout. Et après j'ai fait une soupe à l'oignon qu'on n'a pas fait. Du coup on se trouvait avec 3 sacs d'oignons. Mon père il a bien voulu en prendre 2. J'en ai assez, mais l'oignon s'en est. En fait, j'aime pas prendre des tout go et derrière en fait ça part à la peine, je vois pas l'intérêt. Donc comme vous voyez, station service à Saint-Cloud, je prends plus que c'est forcément des sandwichs. C'est encore les salades, ça passe, mais comme vous savez pas ce que vous avez à avoir, voilà quoi, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que tu fais toi? Je déteste les avoir dans mes pattes quand je suis là. Parce que ça fait déjà deux fois que je manque me faire bien du mal dans cette cuisine à cause des chats et du chien. Vous voyez ? Il faut que je la fasse dégager si je vais faire la merde. Fille de là ! On va couper ces trucs avec lui. Elle veut venir là, elle croit que je fais de la bouffe, je sais pas quoi, quoi. Ah, parce qu'elle pense, non. Je pense qu'elle, la petite, a associé un peu la cuisine à tout ce qui est viande et tout. Donc dès que je suis là, bam bam. Alors viens voir. Ça que tu veux voir, regarde. Voilà, il n'y a rien pour les petits casses. Ah oui. Allez, je vais mettre aussi un kiwi, putain, par contre, c'est ouvert. C'est bien acide, hein, les kiwis, là, ouais. Bon, après, le truc, c'est que... Moi, j'adore les kiwis jaunes, mais... C'est... voilà, quoi. C'est super cher. Ça se gratte dans la bouche en fait parce que c'est acide.
Je pense qu'il y craint. Mais même moi, vous voyez là, rien que le découpe, accroche ta ceinture, accroche tout ce que tu peux, même pas en mettre deux. Si ça se trouve, aïe. C'est dingue. Donc j'en fais pas beaucoup parce que ça se trouve il va me dire j'en veux pas. Allez, la YouTube compagnie. Ciao ciao, à plus tard. Faites pas trop les fous. Et coucou la YouTube. Coucou la YouTube compagnie. Il est 16h40. On va décoller de Cultura pour aller chercher le copain de Charlie, pour aller à la chaumuse, je persiste, c'est la chaumuse, à la danse, donc ils font du breakdance, voilà, du hip-hop, donc c'est ma semaine, donc c'est moi qui les emmène. J'ai aussi reçu deux courriers très... Bah, franchement, c'est pas une bonne année, hein, vraiment, non, vraiment, l'attaque pas bien. Je vous en reparlerai plus tard. Voilà, et puis vous allez faire un petit bout de route avec nous, au moins déjà jusqu'à Raviol, et puis voilà, voilou, hein. On va blablater pendant ce petit bout de route. Allez, on est parti. Tu peux t'asseoir et puis mettre ta ceinture, s'il te plaît, Charlie. Merci. Tu pourras mettre ta ceinture, Arthur, comme il faut, parce que t'avais mis des doudous, un lutin, et t'as pas les... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les lutins, t'as raison. Alors là, aujourd'hui, donc jeudi 11 et puis demain vendredi 12, on n'a pas trop le droit d'aller se promener car en fait il y a un monsieur qui a disparu depuis dimanche. Et donc toutes les journées qui ont été faites pour chercher ce monsieur, il y avait plus de 200 bénévoles à chaque fois. Parce que c'est un monsieur connu, je pense, puis que voilà, on est solidaires les Jurassiens malgré tout. Donc du coup, en fait, là pendant 2 jours, personne ne devait se promener, ceux qui ont des chiens, faire le strict minimum et en laisse. Et en fait, ils vont venir avec des chiens cynophiles un peu plus spécialisés que ceux qu'ils avaient là. Voilà. Donc oui, pour pas que... Parce que malgré tout, quand il y a trop d'odeur, les chiens, ils n'arrivent plus à sentir réellement l'odeur qu'ils cherchent. Donc là, ça faisait 2 jours qu'il fallait mieux éviter de se balader. Voilà, en même temps ça caille, hein. On a, je vous dis, il n'est pas 17h et on a déjà un petit moins 2 là, donc voilà. Alors ça c'est la route, bah, vous savez, hein, pour descendre sur Raviol où il y a l'école en fait à Charlie. Ah non, la bouteille est venue pour faire terre. Eh, la bouteille toi. Voilà, donc là par contre je vous fais ce petit bout de route et après comme on aura Arthur avec nous, je couperai et puis je vous reprendrai sûrement un petit coup... peut-être à la chemise ou je sais pas. Charlie essaie d'appeler son papa pour lui souhaiter son anniversaire. Mais de nada, il n'a pas répondu. Donc voilà. Moi je lui avais envoyé un hier pour savoir s'il avait envie de voir Charlie. Mais c'est pareil, de nada. Donc voilà. C'est dommage, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, comme je dis, j'ai fait mon job. Là, vous avez une scierie en fait, c'est pas une scierie que qui font les pelots, vous savez, les petits pelots pour les poils à granules, quoi. Moi, j'appelle ça les pelots, c'est les granules, quoi. Voilà. Oui, mon cœur. En fait, un coup, ma maman, elle m'avait dit que dans les plats, c'est tout ce qu'elle m'avait dit.
les lacs, en fait, c'est des tourbières. Donc quand il pleut, en fait, ça pompe pas toute l'eau et ça finit par faire des marées, en fait, voilà. Et tourbières, dans le temps, on s'en servait pour... pour se chauffer, principalement, voilà. C'est des petites briquettes de terre qu'on trouve dans la tourbe, hein. Et ils s'en servaient pour chauffer, ça marchait du feu de Dieu, hein, ce truc-là. Voilà, qu'on ne fait plus parce que déjà, il faudrait aller dans les tourbières, les faire les petites plaquettes, là. Et maintenant, on est beaucoup trop feignants pour faire ce genre de trucs. Donc, voilà. Mais je pense que ça coûterait bien moins cher de se remettre à faire ça, tout simplement. Oh, voilà. Il y a encore ma maîtresse. Bah ouais, mais en même temps, il faut qu'elle travaille un peu, quand même. Oui, bah je sais. Non, parce que sa maîtresse, en fait, depuis le début de l'année, je pense que bah, de la rentrée aux premières vacances et ainsi de suite. Merde, je loupe là. Je loupe le... la route de chez du gamin. Bref, ça commence fortement. De chez Arthur. Donc voilà, hop. Allez, la YouTube compagnie, on vous laisse. On vous dit à plus tard. Ciao ciao et faites pas trop les fous. Et nous revoilà. Alors on est à Saint-Laurent, j'ai posé les deux Titi à la danse. Ah, j'avais 2-3 merdouilles à prendre, donc je suis venue au-dessus de la rue. Et puis là on repart. Alors j'avais envoyé un message hier au papa de mon fils, savoir s'il avait envie de voir son fils pour son anniversaire. Il m'a jamais répondu. Et là, quand on est sur le chemin de la route, il s'affole qu'il aurait bien aimé voir son fils. Ah ouais, en même temps, fallait me répondre hier, quoi. Enfin, vous voulez que je réponde quoi à la place? Enfin, je peux pas, voilà, à un moment donné. Hein. Donc je lui dis, bah si on rentre pas trop tard, je te le descends. Ouais, il me dit, laisse tomber, bah c'est très bien. Par contre, je sais aussi que bah du coup, moi, mon anniversaire, ça tombe sur la semaine. Sur sa semaine, donc je sais que je verrai pas mon fils, voilà, je le sais, c'est comme ça, c'est tout, il faudra que je me fasse une raison. Voilà, en fait, j'ai aussi reçu donc les fameux courriers des assistantes sociales, assistantes éducatives, là, parce que l'infirmière, eh ben, jusqu'au bout, hein, elle nous a signalé, donc moi, je frappe pas mon gamin, je gueule beaucoup, oui, mais il a jamais pris une claque, il est propre sur lui, il va à l'école, bref. Je pense que c'est une mode, apparemment, il y a tout le monde plus ou moins qui est signalé. Donc voilà. Ma foi, on verra bien ce qu'ils disent. Mais je pense que ça va sortir, hein, avant de me dire à moi que je m'occupe mal de mon fils. Il faudrait déjà qu'il commence par avoir une maîtresse un peu tout le temps pareil, le gamin. Parce que depuis la rentrée, l'autre, elle est sans arrêt en arrêt. On sait même pas si elle est là ou pas. Enfin, on sait pas les remplaçants, si ça change, si c'est les mêmes. Enfin, mais par contre, on me fait chier parce que, comment, la visite médicale, j'ai chouiné. Bah oui, c'était juste derrière l'enterrement de ma maman. Charlie était franc. Excité, donc bah en gros bah voilà quoi, mais franchement enfin moi ça me blase quoi, ça me blase à un point extrême, je dirais, enfin bref, voilà. Donc là on prend la route pour descendre à la danse. Bon, à chaque fois, je me dis, j'espère que je ne me suis pas trompée parce qu'en fait, j'arrive pas à repartir par où je suis arrivée. C'est un truc de malade. Donc, j'ai toujours le petit doute, est-ce que je ne me serais pas trompée? Donc, je pense que non, quand même, hein, à un moment donné. Et là, ça va être, je vais m'être trompée. Non, normalement, non. Voilà. Ah ouais, il y a beaucoup de brouillard chez nous. Voilà, pas mal de brouillard, c'est un peu chiant, hein. Et bon, c'est comme ça, pas le choix. Je pense que vous allez vous faire expulser de mon pare-brise d'ici très peu de temps.
putain, mais je fais n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi, putain. En plus, je pense que j'ai pas le droit de repartir par là. Je ne sais pas. Je me suis trompée. Fallait que ça arrive, hein, comment vous dire. Oh là là, je m'épate moi-même des fois, je vous jure. Donc, en fait, c'est bien l'autre là-bas qu'il faut que je prenne. Tac, et voilà, on est bon. En fait, il faut suivre Champa. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à vouloir suivre Champagnole, en fait, ici. J'ai toujours l'impression que... je me trompe alors que pas du tout. Et l'autre qui me colle au cul là, tout bol. Enfin bon, bref, passons. J'en ai un comme ça, un con là. Pendant qu'il me colle, je vais le tourner après. Bientôt, d'ici peu. Voilà, on y arrive. Donc en fait là c'est sur la gauche, la Chaumuse. Petit patelin. Une salle des fêtes, elle est énorme. Elle est juste là. Là c'est la mairie. Putain, il y a un paquet de bagnoles. Et en fait elle sera sur ma gauche une fois qu'on aura tourné. La salle des fêtes. L'école ou la mairie, je sais jamais. Allez, mais bougez-vous, chaud, sans déconner. Oh là là. C'est chiant, de tension, tout le temps. Voilà quoi, c'est chiant. Hop, merde, je me saoule. Hop, je prends le sens interdit. Et c'est tout. Hein. Voilà. Voilà, donc un petit vlog sur 2 jours. Bon, la YouTube compagnie, je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle soirée. Faites pas trop les fous, prenez soin de vous, ceux que vous aimez. N'oubliez pas de leur dire que vous les aimez et ne faites pas trop les fous, vraiment. Allez, ciao, ciao, la YouTube compagnie.